山东恰恰独独一人，我喜欢唱恰恰独把给你，他把给你，我大白龙恰恰把咖喱哦，我一把蛋恰恰独独一人，玻璃钢的。去变动，不管多么，都是满的。你那是黑灯，猪八戒没给。Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Beauté nabiso banso. Voilà, ma camouza minéné. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la guerre contre le Rwanda. C'est une guerre non déclarée, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Nous allons le développer tout à l'heure. Les kidnappeurs ont été condamnés à diverses peines, mais c'est la peine la plus forte qui a été retenue, c'est-à-dire la condamnation à mort. Hommes et femmes condamnés à mort. Bon, nous savons qu'il y a un moratoire là-dessus, on condamne à mort, mais on n'exécute pas la peine. Le problème, c'est que on retrouve certains de ces criminels dehors quelques jours, quelques mois après. C'est ça le problème. C'est ça le problème de notre pays. Notre société est pourrie, comme le dit parfois M. Kadima, le président de la CENI. Il a dit, notre société est pourrie. Voilà, chers compatriotes. Devant cette guerre non déclarée contre le Rwanda, non déclarée explicitement, mais il y a des signes qui ne trompent pas, et le Rwanda tremble, le Conseil européen emboîte le pas. Nous allons en parler, chers compatriotes. Voilà. Bande Konabiso Yabolingo, comme vous pouvez le voir, c'était lors de l'arrivée de Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Le président Tshisekedi a utilisé une rhétorique martiale en douce. Oui, vous savez que lui, il parle avec une voix calme et sûre, mais c'était une voix teintée d'un ton martial. Mes chers compatriotes, il dit par exemple que comment voulez-vous dialoguer avec une personne qui ne reconnaît pas, qu'il a ses troupes en RDC, devant toutes ces preuves, toutes ces évidences, le monde entier le reconnaît et lui demande d'évacuer ses troupes, mais lui, il est le seul à dire que le problème du M23, c'est un problème congolais. Jamais il ne pourra dialoguer avec une pareille personne. Il traite également le M23 de pantin, et il minimise les quelques délégués qu'il envoie dans des sommets où il doit apparaître. Et depuis un moment, il a fui tous ces sommets, comme par exemple celui de Luanda. Voilà, chers compatriotes, les signes ne trompent pas. Hein. Donc, il faut déjà comprendre que la guerre est imminente. L'armée congolaise, les FARDC, monte en puissance. C'est Fatshi Béton lui-même qui le déclare. Et même
Le peuple congolais, le voit, les images ne trompent pas. Vous avez vu le défilé, la démonstration des parachutistes à l'est qui ont été largués devant une population nombreuse qui admirait. Tout cela effraie le Rwanda. Les opposants qui défilent à Kinshasa pour contacter le président Félix Tshisekedi, les opposants qui veulent organiser une rencontre en présence du président Félix Tshisekedi à Kinshasa, tout ça, ça effraie le Rwanda. Ça sent mauvais, chers compatriotes. Je vais vous faire écouter une vidéo là-dessus, chers compatriotes. Avant de répondre à la question que vous m'avez posée, permettez que je renchérisse sur ce qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre en même temps à votre question, la question que vous lui avez posée. Pour dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo, malgré toutes les preuves et documents qui a. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda, puisqu'il renie son véritable rôle. Et qui plus est, veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc ils nous envoient ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Et donc, nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais, depuis lors, un schéma que nous avons tous avalisé, qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes et ensuite j'allais dire leur introduction dans le programme des DRCS, donc désarmement, démobilisation et réinsertion ensuite. Donc c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même
de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kényan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce que obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement un quitus, son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Donc pour le moment, nous sommes avec la East African Force et nous voyons comment le désengagement de ces forces terroristes soutenues par le Rwanda va s'effectuer. Jusqu'à septembre, nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur cela et nous aviserons d'ici là. Voilà. Merci Monsieur le Président. Monsieur Grasse Hamzati de Radio Okapi. Merci. Je m'adresse au Président Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, cette grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, ou alors la coopération bilatérale entre les deux pays, existe depuis plusieurs années, assortie de plusieurs accords. Quel bilan tirer des précédentes résolutions, notamment en ce qui concerne les facilités à faire les affaires entre les deux pays? C'est parce que c'est grâce à ces bilans ou suite à ces bilans que nous pouvons nous faire une lumière sur les éventuels résultats des engagements actuels entre les deux pays. Et la seconde question, Monsieur le Président, de manière concrète, qu'est-ce que vous attendez des Sud-Africains sur le plan économique et sécuritaire? Merci. Merci. Bon, le bilan, je dirais, on ne peut pas dresser un bilan définitif à ce stade. Les relations internationales étant
pérenne, inscrite toujours dans la continuité, dans l'éternité. Je peux dire que jusqu'ici, ce qui s'est passé était bien. Nous pouvions mieux faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a toujours, dans les relations internationales, la possibilité d'améliorer les choses. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés cette fois-ci. Vous avez bien entendu le président Cyril Ramaphosa le dire, mais avant, dans le compte rendu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères également, on a insisté sur le fait que nous allons devoir faire le suivi et la mise en œuvre de cela. Parce que ces résolutions ont toujours été prises et répétées en vœux pieux, et aujourd'hui, nous allons tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et surtout, en ce qui concerne le milieu des affaires, parce que comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui, c'est de commercer avec elle-même. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques que l'Afrique fait, c'est toujours en dehors du continent. Le taux d'échange entre Africains est de 16%, si mes souvenirs sont bons, et c'est très très peu. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants. Et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. Donc nous avons besoin de davantage accentuer la coopération entre nos États. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe Pretoria-Kinshasa. Ça signifie, entre Kinshasa et Pretoria, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent, avec leur influence, booster toute la zone d'Afrique australe et l'amener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe par davantage d'échanges et surtout de suivi des résolutions que nous prenons ici. Et c'est cela, pour répondre à votre dernière question, que j'attends de l'Afrique du Sud. Parce que nous avons dit les choses ici autrement qu'elles n'avaient été dites jusqu'à ce point, et j'espère aussi que nous allons les faire autrement qu'elles n'avaient été faites jusqu'à ce point. Voilà. Merci. Alors, mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, le programme est encore très long pour les deux chefs d'État. Ils sont attendus au Palais du Peuple. Et comme je viens de le dire, le communiqué final que nous allons mettre à votre disposition a vraiment toutes les réponses à vos questions. Et nous allons prendre, si vous le permettez, Monsieur le Président, juste deux petites questions, ou une petite dernière en tout cas. Oscar Mbal, directeur des infos de la RTNC. Merci, madame. C'est une petite question que je vais adresser au président de la RDC pour au sujet du grand Inga. Le communiqué final en affirmation, la ministre sud-africaine a mis l'emphase sur ce programme, ce grand projet, même le président Ramaphosa, c'est pour montrer l'intérêt attaché à ce grand projet Inga. Excellence, monsieur le président de la République, développeur australien sur le grand projet Inga, les groupes Fortescue Metal Limited, avec qui vous avez échangé à Davos, son président. Je voudrais savoir s'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les pays, dans ces vastes projets, parce qu'à un moment donné, vous hésitiez sur, vous n'étiez pas pour le contrat d'exclusivité, parce que l'Afrique du Sud est intéressée, il y a d'autres pays qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Bien sûr, et je continue à refuser l'exclusivité. Monsieur Andrew Forrest, puisque c'est de lui qu'il s'agit lorsque vous évoquez son entreprise Fortescue, connaît ma position, parce que dès les premiers instants où j'ai eu cet échange avec lui, je lui ai dit que je voudrais que le projet Inga soit un projet international,
ouvert multipartite, ouvert à plusieurs partenariats, et surtout les Africains. J'avais vraiment insisté sur ça, et vous entendrez partout où M. Andrew Forrest s'exprimera au sujet du Grand Tinga, il répétera cela en disant « Notre porte reste ouverte à tous les autres partenariats ». Alors, il se fait que j'ai l'impression que au niveau du développeur, comme vous le dites, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'on attendait d'elle. Mais comme le projet n'était pas fermé et uniquement consacré à un partenariat avec Fortescue, donc nous nous sommes sentis libres de discuter avec d'autres potentiels partenaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non seulement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale, et je peux vous dire que de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet, parce qu'elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Ça s'est passé avant mon avènement à la tête de la RDC, donc je ne saurais pas le dire. Mais là, elle exprime de nouveau les intentions de revenir, son intention de revenir dans la danse. Et donc voilà, les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées et le projet prêt à prendre forme. Et je terminerai peut-être par aussi l'intérêt manifesté par la République populaire de Chine, parce que dans mon entretien avec le président Xi Jinping, il ne l'avait pas exclu non plus. Mais évidemment, je crois que tous ont besoin d'une architecture, d'un montage financier de ce projet pour connaître les capacités des uns et des autres à pouvoir donc prendre le taureau par les cornes. Et donc je crois que, évidemment, il y a de l'engouement et de l'espoir. Le projet Grand Tinga verra le jour, ça c'est certain. Et en attendant, chers compatriotes, M23 Bazaka Kawana, Balingba Kendete, c'est l'armée RDF de Kagame qui est toujours là, mais sous le label de M23. Voilà la raison pour laquelle un ultimatum leur est donné par le président Félix Tshisekedi. Ils ont un sursis jusque en septembre, mais les Wazalendo, les réservistes, puisqu'ils ont été légalisés sous cette forme-là, et notre pays est souverain, nous en avons le droit, malgré les critiques, eh bien, ils ne veulent pas l'entendre de cette oreille-là. Hein. Donc, tous ces jours-ci, il y a des affrontements là-bas, et on les tue de plus en plus. Donc le président leur a déjà dit que c'est suicidaire, hein, leur présence là. Hein. Voilà, et l'EAC devrait aussi se préparer à partir progressivement, hein, jusqu'en septembre. Parce que d'après ce que le président a dit, nous avons entendu, il sait très bien que ils ont pactisé avec les M23, l'armée de Kagame, qui se comportait comme en terrain conquis. Hein. Voilà, chers compatriotes. Voilà, nous passons maintenant aux kidnappeurs. Les kidnappeurs qui ont terrorisé Kinshasa ces derniers jours. Et on pense, certains ont pensé, selon toujours la théorie du complot, que les opposants sont derrière cela, ou le Rwanda serait derrière cela. Ce n'est pas impossible. Pour saboter les jeux de la francophonie, ou
saboter tout simplement les élections. Mais bon, ça c'est une théorie du complot. Oui. Eh bien, ils ont été condamnés à diverses peines, mais la peine la plus forte a été retenue. La peine de mort pour tous, hommes et femmes. Et malheureusement, un certain Big Boy, hein, on l'appelle Big Boy, malgré sa collaboration, bon, c'est une association de malfaiteurs. Il a également été condamné à mort, hein, malgré sa collaboration. Mais c'est quoi la condamnation à mort au Congo? Bon, il y a un moratoire comme quoi la peine ne peut pas être exécutée. Mais chers compatriotes, nous avons vécu beaucoup de déceptions. On condamnait certaines personnes à de fortes peines, des peines de 20 ans, mais on les voyait dehors. Et dans le cas d'espèce, nous avons Big Boy qui déclare tout simplement que il est parvenu à voler 150 motos dont il se servait avec sa bande pour faire des kidnappings, parfois des véhicules. Ils ont utilisé des armes. Cette fois, il a été libéré. Cette fois, il a été arrêté. Cette fois, il a été libéré. Qui sont derrière? Bon, on a vu le ministère public s'insurger. Dire que non, non, il ne serait pas bon qu'il dévoile les noms en public comme ça, parce que parfois, certains qu'on appelle bureau 2, c'est des infiltrés qui se font amis avec eux pour découvrir toute la bande. Mais on connaît le Congo. Lui, il dit qu'il bon, il aurait octroyé 750 dollars ou l'un d'entre eux, que il a été libéré grâce à ça. Hein. Eh bien, c'est ça le Congo. La société est encore pourrie. Hein. Moi aussi, je valide les dires hein, du président de la CENI hein, qui a parlé des élections précédentes, ce qui se passait dans les élections précédentes. Il a dit que la société était pourrie. Peut-être que, bon, ça continue peut-être maintenant. Il s'étonne aussi de certains qui viennent à lui, lui demandant ou le suppliant ou tentant de le corrompre pour qu'il soit nommé. Ah non, il leur a dit que jamais cela ne peut se faire. Hein. À bas la corruption. Hein. Eh bien, chers compatriotes, je vous montre un extrait dans lequel vous allez entendre vous-même comment sont condamnés ces kidnappeurs. La population a crié de joie devant cette sentence de mort. Mais n'y aurait-il pas un député courageux qui pourrait intervenir pour que cette peine de mort soit rétablie, que le moratoire soit... Moratoire, c'est quoi? Morat, durée, demeurer. On va revoir plus tard. Puisque c'est un moratoire, on peut revoir ce moratoire. Un moratoire n'est pas une décision définitive. Hein. Il y a des pays démocratiques qui pratiquent encore la peine de mort. Nous ne sommes pas une démocratie européenne. Il faut comprendre que nous sommes une démocratie à la Fatchi, une démocratie bantoue. Il ne faudrait pas que le président Fatih calque notre démocratie sur la démocratie française, anglaise, italienne. Ça, c'est pour eux.
Et pourquoi les Américains continuent à pratiquer la peine de mort? Ils sont démocrates. Dans une démocratie, il peut y avoir des sentences de mort qu'on exécute. Et là, c'est des condamnations à mort. Des condamnations à mort verbales, des condamnations verbales qui ne sont pas pratiquées. Ah non, c'est terminé. Dans d'autres pays, ces personnes seraient déjà pendues il y a longtemps. Voilà, chers compatriotes, on va regarder quand même la vidéo. Les parties civiles, Tatiana Nakaosa, Stéphie Ozala, Diakanwa Denise et Mouawa Guilain comparaissent représentés par leur conseil, Maître Julien Mons. Je suis avocat au barreau de Cuyo. Étant donné que nous sommes en procédure de flagrance, l'usage veut que le tribunal se prononce sur le dispositif. Par RP 29 462, par ce motif, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pouloulou Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Gladi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin, et vis-à-vis des partis civils, la République démocratique du Congo, Tatiana Nakaosa, Tefi Luzala, Diakanoa Diamasika, Grace Kamika Mboya, Nola Mpwe Mpela et Mouawa Ikona Guilin. Le ministère public entendu. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, reçoit, mais dit non fondé l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pouloulou Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz, et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus. En conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait, comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais, payable dans le délai de la loi, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction des tentatives de viol mise à charge du prévenu Makonga Plazibet Plaz, en conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable
dans le délai de la loi, à défaut subir 60 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit que toutes ces infractions sont commises en concours idéal, en conséquence, retient la plus haute expression pénale, la Diakanoa Diamasika Grace Kamika Mboya Nolambela et Mouawa Ikona Guilin. En conséquence, condamne solidairement tous les prévenus à payer chacun la somme de l'équivalent en francs congolais de 10 000 dollars américains au profit de chaque partie civile en guise de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Ordonne la restitution du téléphone de marque Samsung de couleur bleue à Madame Manguenebo suivant le procès verbal de saisie d'objet qui gît au dossier. Condamne les prévenus Kabamba Paul et Hugo, Pouloulou, Belingo Exaucé, Ngiama, Makenge, Gradi, Makunga, Plazibet, Plaz et Padimukoko Kevin aux frais de la présente instance, tarif plein, à raison de 1/5 chacun, à défaut subir 45 jours de contraintes par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique et foraine de flagrance du 8 juillet 2023, à laquelle ont siégé le magistrat Ewala Nseno, président de chambre Madiam Panga Masikita et Kabumbu Songa, juge, avec le concours de l'officier du ministère public représenté par M. Issoufan Kanga Edmond et l'assistance de Kubananga Norbert, greffier du siège. Plutôt, nous sommes le vendredi le 7. C'est le 7 juillet et non le 8 juillet. RP 29463, en cause ministère public et parti civil à la République démocratique du Congo et consort, contre les prévenus Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betope Eloy alias Anthony, Niati Mambwa Glajans alias Fashion, Nsimba Kimbanguli, bienvenue, Reda Makwa, Nzunzi Mabiala alias Achel, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yabwila Eliana, Mbangina Betope Hervé ainsi que Tumba Kongolo Honoré. À l'appel de la cause, les prévenus comparaissent.
les prévenus comparaissent en personne. Assisté par ce conseil, Maître Djadi Ouchoufendi, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Conjointement avec Maître Glony Lucindou, avocat au barreau du Congo central. Tandis que la République démocratique du Congo comparaît par le même conseil, la partie civile Nora Mpela ne comparaît ni personne pour elle. Grâce Mboya Kamika ne comparaît non plus ni personne pour son compte. Ngenja Balafundi Eli Griffin ne comparaît ni personne pour son compte. Étant donné que nous sommes en procédure de flagrance, le tribunal va se prononcer sur le dispositif. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Ngala Lumbana alias Big Boy Bidou, Betofe Eloy alias Anthony, Niati Mamboa Glagence alias Fashion, Simba Kimbangulu, bienvenue, Reda Makwa, Zouzi Mabiala alias Manza, Okana, Kinundi Sam, Mademoiselle Lebeni Yabwila Eliana, Mbangina Betofe Hervé et Tumba Kongolo Honoré. Et à l'égard des partis civils, la République démocratique du Congo, Nora Mpela, Grâce Mboya, Kanika, Ngemboa, Balafundi Eli et Yeli Gislain, le ministère public entendu. Vu la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Ngala Lumbana alias Big Boy Bidou, Betofe Eloy alias Anthony, Niati Mamboa Glagence alias Fashion, Simba Kibangulu, bienvenue, Zunzi Mabiala alias Mala, Okanda Kinumbi, Sam Lepeni Yabwila Eliana, Mbangina Betofe Hervé et Tumba Kongolo Honoré. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'enlèvement mise à charge des prévenus précités. En conséquence, condamne chacun à 5 ans de servitude pénale principale. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge des prévenus Ngala Lumbana alias Big Boy Bidou et Simba Kimbanguli, bienvenue. En conséquence, condamne chacun d'eux à 10 ans de servitude pénale principale. Dit établi, en fait comme en droit, l'audience est suspendue. L'audience suspendue est reprise. Dit établi, en fait, comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge des prévenus Ngala Lumbana alias Big Boy Bidou et Simba Kimbanguli, bienvenue. En conséquence, condamne chacun d'eux à 10 ans de servitude pénale principale. Dit établi, en fait, comme en droit, l'infraction de recel d'objets mise à charge des prévenus Okanda Kinumbi Sam Mbangiwa Betope Hervé et Tumba Kongolo Honoré.
en conséquence, condamne chacun à 5 ans de servitude pénale principale. Dit que ces infractions sont commises en concours idéal, en conséquence, condamne les prévenus précités à l'expression pénale la plus forte, soit à la peine de mort. Nous passons maintenant au Conseil de l'Union européenne qui condamne le Rwanda. Non, il condamne le Rwanda, mais ne le sanctionne pas. Ils sont mieux placés pour sanctionner leurs pillants. Nous sommes au courant qu'ils ont financé le Rwanda à hauteur de 20 millions. Nous sommes au courant qu'ils ménagent le Rwanda. Bon, mais ils condamnent maintenant publiquement, ils demandent au M23, le label de Paul Kagame, mais en réalité c'est des RDF, ils leur demandent de quitter le plus vite possible les zones occupées. Eh bien, nous allons écouter un audio là-dessus. Mais est-ce que ça suffit? Ce n'est pas suffisant, mais je pense que ce n'est pas par hasard qu'il le déclare maintenant. C'est juste après l'arrivée de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui est arrivé à Kinshasa et lors d'une conférence de presse quand Félix Tshisekedi s'adresse sous un ton presque martial à l'endroit du Rwanda. À l'endroit du Rwanda dont il refuse de négocier ni de dialoguer avec Paul Kagame. C'est sanguinaire, barbare. Bon, il n'a jamais dit qu'il est barbare, mais il a déjà taxé de nous faire une guerre barbare. Hein? Ah oui, mais moi, ça n'engage que moi. Moi, je dis que c'est un barbare. Assoiffé de nos richesses. Il monte chaque fois, c'est le problème du Congo. Et quand on négocie, ces rebelles-là se scindent en deux. Il y en a qui vont se reposer, il y en a qui entrent dans les institutions, et ceux qui pactent vont préparer encore une autre attaque. Et ils vivent comme ça. Cela leur est rentable économiquement. Le président l'a dit. Eh bien, après ça, le président du Conseil européen sort sur les médias, il déclare que il demande aux Rwandais de quitter immédiatement les zones occupées. Bon, quand nous disons M23, nous disons RDF, hein. Ça c'est juste un label qui se colle, c'est le Rwanda. Écoutons un peu cet audio. RDC. Le Conseil de l'Union européenne exige le retrait du M23 des zones occupées. Le 7 juillet 2023. L'Union européenne a fait une énième déclaration vendredi 7 juillet 2023. Le Conseil a réitéré sa position face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie et du pays où sévissent les groupes armés. Certains groupes bénéficient du soutien de certains hommes forts du pays. L'UE condamne fermement le soutien et l'assistance que continuent d'apporter aux groupes armés plusieurs acteurs étatiques, identifiés dans le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. L'UE appelle tous les groupes armés à cesser immédiatement toutes les hostilités et attaques contre les civils, à déposer les armes, à se retirer des zones qu'ils occupent et à participer au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration idoine, lit-on dans le communiqué. Principal groupe armé dans l'Est, le M23 a été condamné par le Conseil de l'Union européenne.
Le M23 en particulier doit se retirer entièrement de toutes les zones qu'il occupe dans l'est de la RDC et donner la priorité au processus de cantonnement, et d'ajouter, il est crucial de préparer rapidement les sites de pré-cantonnement et de cantonnement pour le désarmement du M23, tout en poursuivant la mise en œuvre du programme de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de stabilisation communautaire, DDRCS, pour les anciens combattants. Actu RDC. Oui, chers compatriotes, ils regardent tous maintenant la RDC. Hein. On monte en puissance. Hein. J'ai entendu Emmanuel Macron dans ses jérémiades. Il regrettait comment l'Europe est en train de mourir, l'Europe est en train de disparaître. Ils se croyaient les plus puissants, ils étaient habitués à ça. Alors maintenant, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a tous les autres, il y a l'Afrique du Sud qu'il a cité. Et puis, il a parlé de l'émergence de l'Afrique qui se témoigne par les chiffres, il a dit. Et il sait que la RDC est en train de gravir les échelons, donc en puissance militaire, politique. Le monde entier regarde la RDC hein, à cause de ses minéraux stratégiques. Et non seulement, c'est le poumon du monde hein, maintenant, hein, de par sa forêt. Donc la RDC est en train de monter en puissance, chers compatriotes, sans blague. Et ils en sont jaloux. Il y a une vidéo qui circule sur le net qui fait le buzz. C'est un Européen qui dit que il parle en anglais, hein, mais il y a une traduction. Il dit que nous devons faire tout pour empêcher l'Afrique d'émerger, de devenir une puissance. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique ne fait pas attention à ça et qu'elle ne deviendra pas puissante. Elle est en train de le devenir. Hein. Ce n'est pas pour rien que l'Afrique du Sud fait partie maintenant du BRICS. Peut-être aussi le Congo, mais bon. Je n'en ai pas la preuve, mais j'aurais appris que le Congo va faire partie, ou fait déjà partie, donc du BRICS, qui s'appellerait maintenant BRICO. Ce serait drôle, BRICO. Ça ressemble à une chaîne de magasins que vous connaissez ici en Europe. Oui, c'est rigolo, mais bon. Ce ne sera plus le BRICS, ce sera le BRICO ou le BRICOS. Voilà, chers compatriotes, nous allons nous arrêter par là et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est certaine. Hein? Donc, les Hispaniques disent A Vitoria est certa. Ah non, 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 ça c'est les lusophones. Ils disent la victoria est certa. Voilà. Et les lusophones, ceux qui parlent le portugais, oh victoria est certa. Donc la victoire est certaine. Que Dieu bénisse encore la République démocratique du Congo. Et à la prochaine.